Il mange un joint qui est sa pantalon, lui, pardon. À part ça, ça va. Quel homme. Fait mal que tu ris, pauvre. T'as rien, mon jullo, il doit être noir, merci. T'as fait toute ma taille, il est parti. Oh, le nid des hirondelles. On est bon avec les. Alors, pour les pêcheurs à la traîne d'enflot publié, comment s'est passée cette sixième fête des quais? Je crois que c'était une sixième fête des quais sensationnelle et au point de vue pêche, on a eu un record de poids puisque avec 15 pêcheurs, on a fait 35 kg de poisson. Et je suis heureux de vous présenter le vainqueur qui est Monsieur Mabillard qui fait partie de l'APAP, donc de l'Amicale des pêcheurs d'Amphion, mais en réalité, c'est un pêcheur suisse. Daniel, c'est pas trop dur pour toi cette fête des quais, c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Oui, parce qu'on commence à 5h30 le matin, puis c'est 8h moins le quart, on n'a pas encore fini. Puis ça se passe bien ensemble. Aucun problème. Pas eu de problème particulier? Non, à part des stationnements de véhicules sur la nationale. Impeccable. Allez, allez, les duos, le duo. Titi, pour la vidéo publiée, ils sont comment les duos cette année? Ah, les duos, ils sont fantastiques comme d'habitude. Comme d'habitude, aujourd'hui sans duo, c'est un an sans duo, profitez-en. Comment s'est passée cette sixième fête des quais? Oh, hachement malaise, hein. Fatigué le matin, mais ça a été. Hein. L'ambiance sympa? Ah, ouais, très bien, ouais. Ouais, impeccable. C'était merveilleux. On a bien bu, on a bien rigolé, et on va se reposer. Ben, pour moi, l'édition 94, elle est super parce qu'on est toujours au soleil, on est toujours dans l'ambiance, et les gens rentrent dans l'ambiance avec nous, c'est super. Je trouve que. Je pense qu'on a le soleil chaque année, ça doit durer normalement, c'est fait pour que ça dure. Alors la 95 devrait être encore mieux parce qu'elle est de mieux en mieux chaque année. Christian, comment s'est passée cette sixième édition de la fête des quais? Je dirais très bien, encore une fois, depuis 6 ans, toujours autant d'intensité. Ce qui est toujours notre souci de mettre de plus en plus d'animation pour que contenter les gens qui viennent de plus en plus exigeants, je dirais aussi, et pour que nos exposants viennent de plus en plus nombreux. Cette année, on est arrivé à 110 exposants présents. Je tiens à le dire, bon, c'est vrai qu'on a un secteur farfouille qui s'est beaucoup développé, mais au niveau des produits locaux, les gens ont quand même bien vendu dans l'ensemble et qui n'est pas toujours évident dans une conjoncture qui est un peu difficile. Mais aussi, il y a le plaisir de rencontrer la rencontre plutôt des estivants avec les gens du pays. Et je crois que la création de cette manifestation a été faite dans ce but. Et aussi de découvrir la bordure du Léman, c'est-à-dire d'Amphion, qui est une baie magnifique. En plus de ça, cette fête des quais maintenant est rentrée dans les mœurs. Et je dirais qu'on a des gens qui viennent en vacances et qui demandent la date de la fête des quais pour mettre leurs vacances à cette période-là. Et ça, là, on peut dire pour nous, c'est une réussite au niveau de l'office. Et je retiens à remercier là, toute l'équipe qui nous permet de mettre en place cette manifestation depuis 6 ans. Et j'espère qu'elle continuera encore avec moi et après moi. C'est moi.